Moi, je prends comme exemple très souvent, ben, l'enfant, quand il apprend à lire, eh ben, il se sent chez les grands. Parce qu'aujourd'hui, il existe, il peut comprendre ce qui se passe devant lui, il peut lire les mots qui circulent devant lui. Et donc, d'où l'importance de la lecture, d'où l'importance de cette promotion, d'où l'importance du livre, du format papier aussi, dans les écoles, dans les foyers. Le livre est plus accessible que la tablette en termes de prix, en termes de coût. Donc, c'est important qu'on puisse naviguer entre le format papier, le numérique. C'est vrai que c'est la 10e édition, donc c'est avec encore plus d'enthousiasme que cette année on se fait le relais sur le territoire de cette opération de l'Hexagone, Partir en livre, à travers toute une série d'activités, mais surtout qu'on arrive à réunir la jeunesse autour du livre, autour des écrits, autour de cette lecture, mais au pays des belles plumes que sont Simone Schwarzbart, mais Ernest Pépin, Maryse Condé dont on a parlé, Guy Tyrolien et bien d'autres. Mais aujourd'hui, il est important de voir que toutes les collectivités de Guadeloupe, en tous les cas pratiquement la grande partie, ben, elles arrivent à travailler ensemble de manière mutualisée, où là on arrive à faire une programmation sur un mois, et promouvoir des actions, des activités sous forme de jeux aussi, et ça tombe bien, la thématique de sport et jeux ben, aujourd'hui permet de délocaliser sur certains sites sportifs, et cette complicité entre collectivités, cette volonté de réussir, ben, elle ne peut que nous satisfaire, nous, au niveau du département, pour la promotion de ces actions et la promotion de la lecture publique. Alors, ça fait déjà plusieurs années que la Ville des Abîmes accompagne cette manifestation nationale Partir en livre. Et cette année, nous avons décidé de faire un coup fort puisque le thème national est Vive le sport. Et nous avons donc mobilisé le service qui s'occupe des sports et nous serons sur le stade des Abîmes pour plusieurs manifestations dans le cadre de Partir en livre. Alors, nous aurons bien entendu des manifestations qui concernent le livre, avec la présentation du livre de Madame Marie-Héléna Lomuno, qui se déroulera donc le 20 juin, jeudi, de 18h à 19h. Nous aurons également de 19h à 20h du Soca Move avec Monsieur Micheli, qui est connu dans le domaine. Et on aura ensuite un Sueoka. Donc ça, c'est toute la partie animation sportive aussi que nous avons mise en place. Et le matin qui sera dédié aux scolaires, nous aurons pas mal de manifestations également. Donc nous aurons la possibilité de leur montrer la lecture numérique. Nous aurons la possibilité de leur montrer également des ateliers culinaires, des documentaires sportifs. Enfin, nous avons mis en place beaucoup d'événements. Et d'ailleurs, nous avons commencé dès le 12. Depuis le 12, nous sommes ici même mobilisés sur cette manifestation avec la possibilité de voir des expositions sur les ordinateurs de la médiathèque concernant donc Partir en livre. Ben, le livre, c'est la première agence de voyage, et c'est-à-dire que c'est ce qui permet de se rendre autonome, d'être autonome, aussi bien chez le jeune que chez le moins jeune. Et donc il est important de se rapprocher de la lecture. Et puis maintenant, il faut vivre maintenant avec son temps, de manière hybride, le goût du papier, le goût du livre prêté de main en main, mais aussi le goût du livre neuf, ne doit pas être incompatible avec l'e-books, avec la tablette, avec le smartphone. Ce qui est important, c'est de lire, c'est de satisfaire sa curiosité, c'est de pouvoir avoir cette autonomie réellement. Et quand je parle d'autonomie chez le moins jeune, ben, c'est aussi un adulte qui a cette difficulté, cet obstacle qu'est l'illettrisme, où il est dépendant. Moi, je prends comme exemple très souvent, ben, l'enfant, quand il apprend à lire, eh ben, il se sent chez les grands. Parce qu'aujourd'hui, il existe, il peut comprendre ce qui se passe devant lui, il peut lire les mots qui circulent devant lui. Et donc, d'où l'importance de la lecture, d'où l'importance de cette promotion, d'où l'importance du livre, du format papier aussi, dans les écoles, dans les foyers. Le livre est plus accessible que la tablette en termes de prix, en termes de coût. Donc, c'est important qu'on puisse naviguer entre le format papier, le numérique, parce qu'il faut vivre avec son temps. Mais en tous les cas, l'important, vraiment, c'est la lecture. Alors, si on arrive à réunir la famille, c'est-à-dire avoir une vraie action de cohésion à travers la lecture, mais le pari sera réussi, quoi.